Salut à tous, c'est Pêcheurs de Trésors. Alors aujourd'hui, on est de retour dans la carrière abandonnée. C'est ça, c'est vraiment un des meilleurs spots qu'on ait fait. On a trouvé des centaines de munitions, des armes, de la dynamite. Et surtout, la dynamite était dans des sacs poubelles. Et là, on est tombé sur quoi? Un sac poubelle noir. Donc vas-y, on va commencer par ça. On va essayer d'y aller. Ouais, par contre, sable mouvant, on va faire un petit pont. Tu veux que je te tienne la main? Attends, je vais le mettre plus loin. Oh putain, ça y est. Oh. Ah, je me suis pris de l'eau. Ah, ah ça commence bien. Il est vide. Il est vide. Bon, on va essayer ça au moins dans l'eau. Ouais, okay. Ici, il y a pas mal de déchets, donc en même temps, on va nettoyer. On a déjà un seau qui est rempli de plastique. Ouais. On va prendre nos aimants et... allons-y. Ouais, c'est parti. L'eau est assez basse vu qu'on est en fin d'été. Il n'y a pas eu encore les pluies. C'est ça, on n'a jamais vu l'eau aussi basse. Et ici, on est sur un endroit qui était inaccessible la dernière fois qu'on a pêché ici. Donc on avait jeté un petit peu l'aimant de là-haut d'ailleurs, là où il y a Rasta et Sydney qui nous regardent. Mais c'est vrai qu'on devrait pouvoir lancer un petit peu plus loin. Voilà, faut être vigilant parce qu'il y a pas mal de voitures aussi dans cette carrière, surtout au milieu et là-bas. Donc on va essayer de pas non plus s'accrocher. Magnet away. On commence par un lancer très moyen, mais c'est dû au nœud de la corde. On a peut-être quelque chose quand même au poids de l'aimant, je sais pas. On vient lancer. Ouais. Oui, c'est bon signe. C'est bon signe, il y a des bouts encore. Alors une cuillère de pêche, surtout. Et après ouais, c'est de la vieille ferraille. Oui, j'ai quelque chose. Protoxyde. Oh non, pas ici. Quoi, ici? C'est incroyable. Et un bout de moulinet de pêche aussi. Ouais. Bon bah ici on en avait pas la dernière fois. Ah bah regardez. Non, protoxyde ici, ça montre qu'il y a quand même des jeunes qui doivent se poser dans ouais. le coin. Ouais, ça se mais bon, proto ici, il faut le faire quand même. Hein. Alors Jade, t'as quelque chose? Oui, oui, oui. Ok. Peut-être des bois pris. Des bois pris dans les algues. Ah, t'as quelque chose quand même. Pareil, ah, c'est une anse. Une anse de seau. Ah oui. D'époque. Ah ben, ça pourrait remplacer le seau là-bas. Là. Ouais, il y en a qui... Bah, sympa. Bah ouais. Il reste un morceau du seau. Ah, mais des deux côtés d'ailleurs. Ouais. Ok. Bah, belle trouvaille. Ah, regarde. Ça vient de calibre 12. Oh oui. Que l'arrière. Ouais. Elle a dû se décomposer hein, vu l'état. Ouais, c'est que. Il reste de la poudre, tu vois. Ça veut dire que c'était peut-être des regarde, munitions en papier. C'est de la poudre vive, ça. Non, regarde, c'est de la poudre vive. T'as vu la forme? Ah oui, c'est de la vive. Regardez, l'endroit est quand même joli, même si ça pue un peu. Ah, Jade a trouvé un hameçon. Bien joué. Avec la cuillère de pêche, on commence à avoir du matériel. Ah, ici, c'était rempli de munitions à chaque fois. Celui qui fait la première munition, il paye l'apéro. Allez, la première munition paye l'apéro, on a dit. Oh, but double. On dirait. Ah, non, pas forcément, non. Ah non. Non, c'est. C'est hydraulique, peut-être. On dirait un bout de pompe. Ouais, on dirait une pompe, quelque chose. Et j'ai la première munition. Qu'est-ce qu'elle est propre. Donc l'apéro, il est pour ma pomme. Bah, ça, c'est des munitions. Ah oui, elle est très propre. On voit le marquage de suite. Quatre. C'était des françaises hein, qu'il y avait ici, surtout, mais là, elle paraît plus propre, elle. Il y a un F. CNF. Le calibre, c'est un peu effacé quand même. Bon. C'est grand, hein, ouais, je sais pas, mais sympa. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Première trouvaille sympa. Bien joué. Bah, c'est bon signe, il en reste. Ah oui, 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 oui. Ah, bravo. Deuxième, ah, putain, j'ai eu chaud pour l'apéro. Ouais, ouais. C'est ça, un peu de chose. Je crois qu'on est exactement sur la même. Hein. Hop. Ouais, c'est les mêmes. Et ça? Super ancien, ça doit venir d'un outil. C'est pas ce que Romain il a trouvé dans son terrain presque. Ça ressemble. À deux volets. Avec un crochet, ouais. Ouais. Sympa. Ouais, je sens quelque chose aussi là. Ouh. Oh, bravo. Trois d'un coup. Incroyable. Comme elles sont alignées en plus. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un les a posées. Quoi. Très sympa. J'en suis à 4, je prends le large. Bravo. Ça peut pas être que des algues. Si. Si, si. Wow. Une, oh, pelle. Une pelle, ouais. Bien joué. Cool. Et un anneau gastrique. Classique. Bon, bah, c'est sympa. Ça commence bien. Moi, j'aime bien. Pour un spot déjà fait, c'est cool. Bah, ouais, une vieille pelle. Allez, on continue. Jade, quelque chose? Non, je pense pas. Non, ah, si, si, si. C'est sûr. Des algues, oui. Oh, oui, ta première. Bien joué. La même que nous ou pas? Si, c'est la même, ouais. Si, c'est la même, je crois. Ouais. Bon, une chacun. Voilà, une chacun. Allez. Vous en pensez quoi, les chiens? Ouais, j'ai peut-être eu un truc là-bas. Je remonte vite pour pas que ça frotte trop dans les rochers.
Ouais. Une autre et un leurre de pêche. Bon, il est foutu, mais c'était un gros. Hein. Et j'en suis à 5. Ah oui! Bien joué. Et pourtant, j'y suis juste là. Donc, elle était au bord. Ah ouais? Ouais. Oh, okay. Des clés, un trousseau de clés. En laiton en plus. Une en laiton et d'autres en fer. J'ai tout un trousseau. Ah, ouais. C'est bien, ma fifi. Et ici aussi. Bravo. Deux d'un coup. Ouais. Donc, effectivement, les munitions, c'est là. Hein. Ah oui, mais c'est sûr. C'est marrant parce que ces munitions, on les chope, mais en tirant là, là et là. Donc, ah, il y en a partout ici. C'est percé, ouais. Parce que même ici, on a. Oh oui! Un bolleur de pêche. Il a de très beaux yeux. Après, il a pris cher. Tu veux un leurre de pêche, ouais, Sydney? Moi, j'ai retourné le truc un peu. Oh, attends, un gros. Oh oui, oui. Faut l'attraper, ça. C'est peut-être un piège à poisson, non? Mais je m'en fous, on peut laisser ça dans l'eau. Ah non, faut l'enlever, bouteille plastique. Tu l'as? J'essaye, je. Ouais, c'est dur à attraper. Ça, j'ai vu ça. Si. Tu veux que j'y aille? Je l'ai, presque. C'est bon. Ouais. Oh là là. Ça, c'est bon, pour les écrevisses. Ah oui. Bon, bah, on va le garder. Ça. Hein? Pour faire nos pièges à écrevisses. Bien sûr. Bon, allez, j'ai quelque chose. Ah, 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 ah. Ah, j'ai cru. Ah, bah si. Oh, ça, c'est un morceau de corde de pêche à l'aimant. Aïe, 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 aïe. Il y a eu un drame dans le coin. Hop, encore un leurre de pêche. Ah non, il y a un chien. Non, non, c'est Baptiste. Oh, il est bête celui-là, j'ai cru. Tu fais très bien le chien. Allez, aboie. Oh, regardez. Ah ouais, je l'ai filmé. C'est une buse blanche. Je l'ai filmé. Il a pas vu lui. La buse blanche. Je l'ai vu, elle tourne autour depuis un moment. Ah. Elle surveille Rasta. Ok, quand elle vient de remonter d'un sac plastique, enfin quelque chose dans du plastique. Dans plastique, ouais. Là à droite, t'as un vrai sac plastique. Ça, c'est un truc de frigo, ça. Ah, ouais, ah oui, c'est un tiroir de frigo, ouais. Qui avait été réparé. Et ça, un pistolet, ouais. Un sac plastique vide. Ok. Alors, en ce qui concerne les aimants, on utilise avec Quentin les Barbarian de chez Maison de la Détection. Donc, c'est ceux-là. Et regardez ça. Il n'y a pas mieux comme sponsor. Voilà le Barbarian, ce qu'il arrive à trouver en étant tiré juste là. Donc 3 munitions, ça c'est 1600 kg de force. Et on a Jade qui est avec nous aujourd'hui. Et Jade, elle utilise l'aimant Terror. Qui est pas mal aussi, hein, qui fait le taf, puisque dans les algues, il arrive à remonter ça. Le Terror, c'est 1200 kg et c'est celui qu'on conseille en général pour débuter. Il fait le taf, Jade. Voilà. Oui, largement. Il est validé aussi. Vous avez le code promo Pêcheur de Trésor qui s'affiche ici. Il offre moins 5% sur toute la boutique, y compris sur les détecteurs de métaux. Là, regardez. Ça, c'est des obus. Ouais, c'est des obus, anti-aériens. Ouais, vides, heureusement. Pour que c'est creux. Ouais. Et en fait, ils avaient des têtes en aluminium qui se vissent. Est-ce qu'il a la tête? Est-ce que lui a la tête? Ouais, elle. Ouais, il y est, donc il est pas si vide que ça. Enfin, si, il est creux là, mais il y a la tête qui est encore là. Donc il y a peut-être une petite charge dans la tête aussi, quand même. Puisque c'est la détonation qui se fait là. Ouais, faut faire attention. Et puis vous avez la poudre ici. Donc attention, mais bon, ça reste. Ah, ça reste du tout petit obus. Bah, belle dépollution quand même. Ouais, c'est bien de les sortir. Allez, on va en chercher d'autres. Ok, encore une. Et tu vois, elles étaient sur un clip. Hein. Ouais, il y a un morceau du clip. Ah, ça va être une sacrée arme, hein, qui tire des munitions comme ça. Une de plus, juste ici. Donc sûrement une caisse de munitions qui est en train de se décomposer. Et non. Ah oui, une cuillère de pêche encore. Eh ben, ça en fait du matos de pêche. J'ai un morceau du gros bout, mais je sais pas. Ça va peut-être donner des indices. Ah hey, ouais. Je te dis le bout de plaque là de fer du récipient. Il y a des morceaux de vieille ferraille, ça pourrait être la caisse. Hein. Mais c'est vrai que les munitions, il y en avait quand même plus la première fois. Il y avait des fois où on remontait les mains avec une vingtaine dessus. Hein. Ouais. C'était des vrais hérissons de munitions. Il faut se dire qu'il y a une quantité énorme de munitions qui ne sont pas aimantées. Ouais, c'est ça le truc. Là, je viens de faire une lame de couteau cassée. Pas mal. C'est intéressant, hein. Qu'est-ce que ça pas fait dans l'eau, ça, hein. Il y a un couteau suisse, non? Bien pointu pour un couteau. Mmh, non, plus gros. Cassé en plus. C'est le couteau qui a été aiguisé à la main. Allez, la première remontée du cousin. En direct. Aïe, on l'a vu sauter, ouais, il n'y avait pas grand chose, mais il y a peut-être des munitions, on sait jamais. Ouais, oui, si, il y en a.
Et moi aussi. Il y en a une seule. Deux. Bien joué. Il y a un morceau du clip aussi. Tu vois, ouais. Elles étaient attachées, t'as le clip qui est là. C'était des bandes avec plusieurs. Ok. Deux chacun. Bien joué. Exactement, on fait la belle. Ouais. Alors on est encore sur la revanche. Et Quentin a envoyé du lourd puisqu'il a fait deux munitions classiques les mêmes. Dans une 45 ACP. Et une note de 45 ACP. On en avait fait par ici. Ouais. Très donc peu. Ça, c'est très la fameuse munition des Colt 1911 et des Thompson. Et des Thompson, ouais. Pour Seconde Guerre mondiale, sûrement. Hein, on regardera le culot, mais. Ouais. Là, c'est cool le grappin. Tu fais des choses différentes. Et elle est encore utilisable en plus. Quentin, pour la trappe de ta salle de bain. Ah, vraiment, on dirait un truc de brouette. Ah ouais, ah ouais, effectivement. Ouais. C'est comme j'ai chez moi là, la vieille brouette là. Ouais. Ouais, là t'es bien là, je pense. Tiens. Je vais repêcher mes lunettes dans pas longtemps. Ah oui. Oh. Bon, ça ressemble à une caisse de munitions en vrai. Hein. C'est possible, ouais. Peut-être qu'elle est enfin comme ça. Qu'elle est enfin sortie. Bah en tout cas c'est très ancien. C'est dur à dire, ouais, c'est dur à dire. C'était troué d'origine, non? Les pros nous diront peut-être. Oh, j'ai quelque chose. J'ai vu qu'il avait en main. J'ai du cuivre. Ah. Petite bobine de cuivre, ouais. Dis pas trop fort, on a vu une caravane là. C'est quoi? On fait un cheval. Ouais, deux choses. Oh, il est tordu. Il est tordu. Un cheval tordu. Et une belle munition. Oh mais faut le faire pour t'en faire un cheval comme ça. Ouais, c'est étonnant. C'est super solide normalement. Oh non! Oh dommage, je filmais pas! Ouais, bah, c'est fou qu'il soit plié incroyable. Comme ça. Bah ouais, non, normalement c'est hyper solide. C'est un fer à cheval? Bah oui, mais tordu! C'est bizarre! La bombe, je pense qu'il est blessé ce cheval. Ça va te porter chance! Ah ouais? Bah oui, un anneau gastrique! Dès qu'on trouve un anneau, on dit que c'est un anneau gastrique! Bien joué! Un peu de tout, hein! Ah, t'as du plastique? Mais tu sais que tu peux faire des sacs avec des munitions ou quoi, on en a déjà fait, ouais. Y'a quelque chose dans ton sac? Faut faire l'ouverture en vidéo. Non. Quoi? Quoi? Ça pue? Ça pue? Ça pue? Vas-y, je l'ouvre. Ouais, ça pue énormément. Ouais, y'a des choses, hein. C'est bizarre, c'est des papiers. Ah, mais je crois que c'était de la dynamite. Ouais, c'est les cartons comme les bâtons de dynamite. Bah du coup on va vous mettre des images, on a déjà trouvé des bâtons de dynamite en meilleur état ici. Mais c'est clairement les mêmes, ouais. Belle trouvaille Jade. Merci bien, merci bien. Oh, une corde. Ah non. Ah c'est pas du filet de... Oh, ah, voilà. Non, c'est un caoutchouc. Non. Il a cassé, ouais. Non, mieux, t'as pas vu derrière? Quoi? Ah ouais. Ça y est, ta première. Énorme, ça y est. Voilà, bravo. Trop bien. Bon, on a tous eu. Ah, pêche à aimer enceinte, on l'avait jamais vu. C'est vrai. Bah écoute, je pourrais lui raconter que j'ai fait ça. C'est pas un handicap, hein. Non. Quand on se sent bien. Non, surtout, faut pas tomber, quoi, sur tout ça, faire de... C'est juste que le lancer, ça, au bout d'un moment, j'y vais à fond, et tu sais, c'est... Ouais, c'est forcé. Le vent qui force un peu. Bon, allez, je retourne à l'aimant, moi. Grappin, c'est bien, mais je ramasse pas les ailes. Bon, t'as fait quelques trucs sympas, en vrai. Mais oui, c'est mieux l'aimant. Oula. Oui. Oh, celle-là, elle est différente. Non. Elle est... Oh, bah. C'est la même. Elle est creuse. Elle est creuse, ouais. On dirait que la poudre, elle s'est échappée. Mais c'est-à-dire qu'il y a encore de l'air dedans, si ça fait ça, non? Bah là, oui. Il a l'air bien massif. Putain, il est trempé, il est lourd. Ouais. Il a l'air... Ouh, putain. Et avec ça, une corde, un passer une corde en dessous et le filet. Tu veux le ramener pour faire barbecue? Contre, il reste vachement de choses en dessous de l'arbre. Grenouille. Il y a un leurre de pêche grenouille, il y a du calibre 12, il y a une munition et il y a la caisse des munitions. Ouais. C'est sûr maintenant que c'est ça. C'est une caisse. Il en reste incroyable. Des boulots. C'est incroyable parce que si on vire l'arbre dessous, il y aura plein de choses. Alors. Ah, il y a des trucs, ouais, c'est faire. Sûr. Vas-y, on va faire ça. Elle est pleine, c'est ça? C'est pas du 12, c'est plus petit. Mais bon, ça reste pour la chasse. Sympa. Franchement, il est très stylé ce leurre de pêche grenouille. Pour un dégorgeur, ça. Tu te baignes avec là? Tu crois? Ouais, quand tu enlèves l'hameçon dans la gorge du poisson. C'est ah, bah sûrement, il y a plein de matos de pêche. Ça y ressemble. Dégorgeur, ouais. D'accord. Mais il est mort? Non, je connais pas. Tu veux que je te le fasse? Non, merci. Encore une? Bravo. Ici, là, le petit spot là. Un Baptiste pensant qu'il s'amuse avec l'arbre. Oh, sympa ça! C'est quoi? Ah, fais gaffe, ça se casse pas.
qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est intéressant. Il y a un liquide dedans. Et c'est étanche. Oh non! Oh non! Oh la débutante! Ta bouche, ah, je vais y arriver! Attends. Voilà. Ah bien joué! Alors? Ça va! Tu veux boire? Moi je pense que tu devrais boire ta trouvaille! Ah c'est bizarre hein! Mais j'aime bien! Bah dites-nous en commentaire si vous savez ce que c'est! Garde-le fermé pour l'instant, je pense, on demande aux abonnés d'abord! Ouais! Et ouais. Selon ce que c'est, on l'ouvre ou on l'ouvre pas! Comme ça on fait pas de bêtises! Ouais! Faut mieux éviter! Non, en tout cas, c'est ma trouvaille la plus étonnante ouais, que je fais. C'est ma trouvaille préférée là pour l'instant. Franchement. Très sympa. Ouais, écoute. Et là, au grappin, franchement, il y a moyen de faire des trucs. Hein. Ouais. Parce qu'on pêchait tout le temps de là-bas et on a ramé plein de trucs pas trop aimantés. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a les algues aussi. Oui. Ah oui, munitions. Ça faisait longtemps. Oh, et ça, c'est de la vieille ferronnerie aussi. Enfin, fer forgé, ouais. C'est ancien, c'est sympa. Ah, vide ou plein? Ah, y a un truc dedans. Ah bah attends-nous alors, j'arrive. Ouais. Un sac. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Le cousin qui a trouvé un objet dans un sac grâce au grappin. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ah, je l'ai pris dans l'avance, non? Ouais. Ah, c'est ouvert. Hein. Oh, c'est lesté. Du coup, ça veut dire que c'est quelque chose de lesté. Est-ce qu'il reste pas des os ou des choses comme ça? Ah, dommage. Le sac, il s'est ouvert. Ah, si, non? Ça, c'est quoi, ça? C'est des os. Si, c'est des os, ça. Regarde. C'est clairement des petits os. Ça, c'est un crâne, ça. Les animaux qui ont été envoyés là-dedans. Ouais. Bon, il y a des tout petits os. Bon, pas fou comme trouvaille, mais bon. Ah, le pro du grappin là-bas. Un nouveau sac alors? Ouais. Ah ouais, ça chie. C'est vrai que c'est exactement les mêmes. On a plein de raisins. Ouais. On va vider ça. Hop, le vide où? Là. Vas-y, en gros, ça va pas te gêner si tu veux. Ah, il y a un autre sac dans le sac, c'est bon signe. Oh, des munitions! C'est rempli de munitions! C'est plein, regarde! Ouais, elles sont pas aimantées! Oh, attends! Oh là là! Oh la dinguerie, il y a peut-être une arme avec! Non, c'est rempli! Oh la quantité! Oh! Incroyable! Dinguerie! Regardez tout ce qu'il y a! C'est hallucinant. Regarde. Ah ouais. Waouh. C'est du 45 ACP, 38, non? 38 spécial, tu penses? Ouais, je pense. Ah oui, 38. C'est 20. T'en as quelques centaines, là. La quantité, ouais. Franchement, là, ouais. Super trouvaille. Ouais. Et c'est ce que je disais, hein. Là, c'est la seule qui est comme ça. C'est rempli, en réalité. Ah, c'est une. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup, celle-là. Ben, vous êtes souvent, en plus, à nous dire en commentaire utiliser des grappins. Voilà, le cousin il utilise le grappin pour nous. Bien joué Romain. Ouais, c'est votre grappin. Ouais, t'as la meilleure trouvaille de la journée pour l'instant. Ah, ça dépend ce qu'a trouvé Jade, on sait pas. Waouh. Hein. Wow. De toute façon, on a vu un sac dans un sac, c'est très bon signe à chaque fois. Ah, bah là, ouais. Ah, oui, c'est du plomb. Voilà, ouais. Tu vois clairement que c'est du plomb. C'est pas aimanté. Ouais. Non. Super. Ouais, on aurait jamais pu l'avoir sans grappin. Ouais. Ouais. C'est peut-être un bon truc là, pour le coup. Aïe. Ah, c'était une branche. Ok. Ça commence à devenir short hein, ici. Ouais, plus grand chose ce côté. Ouais. Tu vois Sydney? Alors là, il y a un canard qui a un hameçon dans la bouche, on dirait. C'est le plus clair. On va essayer de l'attraper et de l'enlever, mais ça a l'air très dur d'attraper un canard. Surtout que ça a l'air d'être le plus craintif, comme par hasard. Ouais, mais Jade est une professionnelle. Ils sont un peu bêtes en plus, ces canards. C'est un échec.
Ouais. T'en étais loin, je crois. Ouais, je pense que... Bon, bah tant pis. Et je pense que c'est une mission qui a échoué. On aura essayé. Ouais. Enfin, Baptiste aura essayé. Elle est bonne ? Ouais. Ouais, c'était, ça se tentait. C'était l'occasion. T'as mis bien dans les poches, là, sur moi. Non. Bon. Allez, tant pis. Donc là, on a changé de spot. On est en face de la falaise. Et oui, Jade a quelque chose déjà. Qu'est-ce donc ? De la ferraille. De la vieille ferraille. Ok. Il y a des choses, c'est déjà bon signe. Wow. Là, ça va profond, hein ? Juste, y a ça. Ouais, c'est profond ici. Ok, Romain, un truc lourd. Tu fais pas tirer en dessous de la falaise si ça lâche. Putain, ça soulève. Pardon pour le gros mot. Pas ça là encore. Hein, si le poids. Toi aussi tu fais vachement de bulles. Ah ouais, je me suis chié. Ah. Ah mais c'est bien que ça jette. Ah mais c'est bien que ça jette. Oui, t'as raison que c'est quand même dangereux, mais. Ah oui. C'est la climo. J'ai quitté les lieux délicatement. Bien joué. Bah c'est écrit, t'as la référence dessus, ouais. Regardez ce qu'il vient de trouver notre cousin. Ouais. Donc oui, ça peut être dangereux, bah, je pense que c'est une grenade à gaz. C'est une lacrymo, ça va. Bah, belle trouvaille, hein. Bien joué. Ouais. Mais faut, c'est sûr, faut quand même pas s'amuser avec. Ouais. Faudra regarder avec la référence, là, on vous affichera ce que c'est. Sympa, ça. Bien joué. Content ouais. Que vous ayez pas filmé ma tête. On voit la sueur, on voit la sueur. Bien joué. Oh wow. Non. C'est pas grave, c'est le principal. Ouais. Un bout de pot d'échappement, peut-être. Ouais, je pense. Ouais. Ah non, ah non, c'est fermé, il y a un bouchon. C'est un bouchon, non? Ça se dévisse? Ouais, je crois. Ouais. Alors ça, peut-être une trappe à essence si elle va loin dedans. Sur un véhicule un peu bizarre, tu sais, regarde le bouchon, il fait un peu trappe à essence. Oui, c'est vrai. Mais ouais, si profonde, ouais. Dites-nous en commentaire à quel véhicule ça peut appartenir. Si c'est ça d'ailleurs. Mais le bouchon me fait penser. Ah bah c'est une 45 ACP comme j'ai fait. Donc ça ouais c'est ça, balle de munition de Colt 1911, première, seconde guerre mondiale. Hein. Et regarde le 42 là que tu vois, ça veut dire 1942. Ok. Ouais, donc ça va, belle trouvaille. C'est vraiment bien conservé. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est qui nous a attrapé encore? Ouais, morceau de scooter ça je pense. C'est un indice. Hein. Oui. Avec la durite. Ouais, ça c'est une pièce de scooter, c'est sûr. Ouais, t'as un scooter aussi. Ouais. Si vous pouvez nous dire ce que c'est en commentaire. Wow, une suspension. Ah, ouais, c'est vieux ça. Ah oui, c'est vieux. Ouais. Oh, c'est vieux. Et ça, c'est une très vieille suspension aussi. Hein. Ça, c'est ouais. Ok, bah sympa. Bah, ouais. Hop. Pas loin. Ah, joli lancé. Pas loin. Ah, je suis tendu. Hein. Oh. Ça fait coq! Je te jure, il a touché le fond et il s'est mis sur un truc. En plein milieu? En plein milieu là, là-bas. Incroyable. Faut quitter de suite. Ouais. Ouais. Oh, t'as quand même quelque chose. Il a fait Intéressant. Un peu dangereux ça, non? Qu'est-ce que c'est? C'est bonne question. Avec du fil accroché dessus. Ça n'inspire pas énormément confiance. Ouais, si vous savez ce que c'est en commentaire. Qu'est-ce que tu nous sors de beau? Quelque chose, un point intéressant. Enfin! Si je le perds pas dans les rochers, ça peut être très sympa. Est-ce que c'était un cadre? On voit d'où il vient. Wow! Tu vois ce que c'est? Oh oui, il est énorme! Ouais. Il est beau celui-là. C'est du costaud. Waouh! Ouais, je suis content. Ouais. C'est bon signe ça. Hein. L'outil du cambrioleur. Il est incroyable. Ouais. Bon état en plus. Et comme quoi il peut rester des armes. C'est une arme de meurtre déjà ça. Ah, mais si tu arrives à choper ça, c'est qu'il peut rester du lourd. Oh le machin, il est massif. Hein. Ouais. Rasta, t'en as pas marre? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Oui. Oula, ça c'est encore un nouveau type. Ça c'est du AK-47 ça. Ça rigole pas, je crois que c'est... Oh regarde. Ouais, je crois que c'est du AK-47. Ça c'est là, alors c'est quoi la différence entre les deux? Ah la forme. Ouais, mais pourquoi cette forme elle?
Parce que là, celle-là, c'est une munition à blanc. T'as pas d'ogive. Ok, d'accord. Et là, c'est une vraie. Et là, pareil, il y en avait une autre à côté. Et ça, c'est du FAMAS AK-47, je crois. 37-62 5,56. Ah, ouais, c'est FAMAS alors. Non, c'est ça, c'est FAMAS. Calibre autant. Ça, ça rigole pas. Et des munitions de FAMAS récentes. Ah, là, ouais, elles sont en bon état. Hein. Ça aussi, 5,56. Ouais, c'est pareil. Année 90 et. 86. Là, c'est calibre autant. Et quelle année celui-là? 88. Elles sont bien conservées. Hein. Putain, ça, c'est la classe, ça, c'est sympa, ouais. Trop beau. Ouais, des munitions récentes quand même. Parce que bon, c'est considéré récent. Oh, l'essence, ouais. Ouais. Oh, ouais. Vas-y, à 3. Attends, attends. À 3, c'était pas même 2-3. Oui. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. 2, 3. Ouais. Oh, ça monte. Ça vient. Ça vient, ça vient. Tu filmes, toi? Ouais. Ah, y'a un truc qui vient là. Enfin! Il est entier? Non. Un cadre, moi je dirais un cadre. Qu'on le perde. Non, on dirait qu'on a, on a pas tout, mais. Une mobilette peut-être du coup. Un cadre de moto? Tu vois. Vaut mieux de le passer à Romain qui remonte de là-bas. D'accord. Allez, on voit qu'il y a de la profondeur, hein, ça tout douf la profondeur. On est bien accroché ou pas? Ouais. Ouais. Attends, mais c'est le siège, non? Y'a l'arrière. Enfin! Oh, sans doute qu'il y en avait là. Ils ont laissé quelques plastiques. Ouais, ça fait un moment qu'il est là. Il y a encore le feu arrière. Il est clignotant. Bien joué. Bien joué. Enfin. Allez, voilà. C'est quoi qu'il y a là? Ah, c'est le réservoir. Comme il était bloqué, l'aimant. Pour ça, c'est pour ça qu'il y avait de l'essence, il y a encore le réservoir. Il était parfaitement dedans. Et oui, pour ça, l'essence. Ouais. Ça explique tout. Tu vois, toute l'essence, on a réussi à en sauver quand même. Ouais, c'est pour ça. Hein. Il en reste. D'où les taches. Bon bah enfin on l'a sorti de l'eau celui-là. Bien joué. Merci. On s'en doutait que c'était ça hein, depuis le début qu'il y en avait plein. Alors qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Écoute, un magnifique leurre de pêche. Donc, franchement il est correct hein, celui-là. Il a une jolie couleur. Et il y a encore l'hameçon. Ouais. Les hameçons. Bravo, belle trouvaille. Merci. Ah c'est ouais, un bon aimant, c'est un terror on dirait. Ah là tu te mets bien si t'en parles. Ah non, c'est le même que moi. Ouais c'est un terror. Ouais, c'est même que toi, mais c'est bien. Alors attends, comment on fait pour le... Mais non, mais non. Attends, faudrait essayer de faire une boucle pour attraper autour. C'est 9, ouais. Ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, quand on perd un aimant, c'est l'autre côté qui est accroché. Oui, c'est je sais pas comment il s'est débrouillé. Ah, mais il faut qu'on garde les deux bouts de la corde. Ça évitera que ça lâche. Ça va se tirer, ça, tu crois, si on tire? Oui, mais t'aurais dû mettre plus de mou. Ouais, plus de mou à l'autre côté. Ouais. Vas-y, là, on est pas loin, là. C'est chiant, je m'étais lavé pour Noël déjà. Oh oui. Oui, 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 c'est bon. Alors attends, maintenant. Alors stop, attends. Là. Je ne tire qu'un côté. Je sais pas si. Tiens ça. Attends. Ah, tu filmes. Je tiens. Alors là, Alors, c'est vrai que On va peut laver là. De toute façon, ouais, mais le nœud il avance pas. Ouais, mais au moins ça il vient de toute façon. Hein. Dans tous les cas, ça vient, ça lâchera pas. Ouais. Regardez, c'est qui les pros là? Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Pêche des aimants, les gars. Allez. Au pire, on coupe la corde, on garde que l'aimant. Hein. Oh putain! Ah oui, c'est un plus petit, c'est pas un terror. Non, c'est... Donc c'est le même que moi, c'est bien ce que je vous disais. Attends, c'est lourd parce qu'en fait c'est accroché dans un truc la corde. C'est sûr. Eh, ça bulle là! Mais comment ils ont attrapé quelque chose? Il doit y avoir un autre aimant ou un grappin de l'autre côté. Ou une corde. Il doit y avoir un grappin. Moi je parie sur un grappin, ils les gars. Ils sont loupés, genre ils ont. Putain, ça vient. Ils avaient un aimant et un grappin de l'autre côté. Attends, regarde que ça se défasse pas. Ah oui, grave. Ce serait marrant de voir ce qu'il y a au bout. Ah bah on va voir. Ah, c'est lourd. J'ai pas mes gants. Allez, tirez. Gaffe de pas tomber. Il y a un truc qui a lâché. C'est un arbre. Non. Ouais. C'est un arbre. Eh ouais, c'est un arbre. Et un grappin. Non, je pense pas. Un grappin. Je pense que c'était que la corde. Que la corde? Elle est longue. Ils ont travaillé. Il y a une double corde. Ouais, ils l'ont doublé. Alors il y a plus quelque chose de bon? Attends. Non. Je pense qu'elle est doublée, ils avaient dû galérer vraiment. Okay. C'est un aimant de magnétar. Maison de détection. Ah bon? Bah, tout neuf. C'est un easy, je pense. On le donne aux cousins? Il y a quoi entre le terror et le easy? Je sais plus. Non, je vous laisse. Vous laissez pour faire des puits. Tiens, ouais, pour les puits. Vous laisserez pas pour les débutants? Non, on vous accompagne. On te l'offre. Surtout qu'il a pêché en plus. Ouais. Ah merci, c'est trop cool. Et c'est puissant, mais mine de rien, c'est petit mais puissant. Et si vous reconnaissez votre aimant,
Envoyez-nous un petit message privé, ouais, on va trouver un arrangement. Et si vous voulez faire semblant que c'est le vôtre, envoyez quand même un message privé. On vous facture avec. Pas privé, un commentaire. En commentaire. On a déjà assez de messages privés. Ok, en commentaire. Ça c'est un aimant hardcore, donc vous les trouvez sur le site de Maison de la Détection. Je pense pas que ce soit le Easy, donc c'est déjà pas mal. Mmh. Déjà, regarde, attends. Ah, c'est déjà pas mal pour débuter, hein, en soi. Ouais. Oui. Ben, en soi, surtout qu'ils auraient perdu un barba s'ils avaient testé au barba ici. Mmh. Allez, on vous tiendra au courant des découvertes de Romain. Ouais. J'essaye tout de suite. Vas-y. Attache le bout. Attache le bout. Il a pas attaché. Je serais imaginé, il reste bloqué direct. C'est un aimant maudit. Viens me garder en trophée, non? Alors, là, non? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo de pêche à l'aimant pour nous. On est revenu sur ce spot, on vous a dit qu'il restait sûrement des choses, et ben c'est vrai, il en restait. Ouais, franchement, c'est éclaté, une journée très sportive. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes déjà venu ici, sans dire l'endroit, comme ça on ramène pas encore plus de monde. Ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes déjà venu. Bah, nous, on reviendra en tout cas. Hein. Ouais, nous, on reviendra. Bah, peut-être qu'on peut se faire une session ici tous les ans, ça peut être sympa de voir si ce lieu va être enfin propre un jour. Ouais. En tout cas, une quantité folle de plastique, on a un sachet poubelle rempli. Ouais, et de munitions aussi. Ouais, toujours. Comme d'hab, on déposera tout ça en gendarmerie. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant.